a eu Noël, le jour de l'an, les rois, la chandeleur et Mardi Gras. Bref, tout plein d'occasions pour déguster des gourmandises et autres douceurs. C'est pour ça que nous aurions besoin de présenter une recette gourmande mais light. Qu'en penses-tu? Of course. Découvrons-la ensemble avec le jeu de mercredi. On se lave les mains et... Direction cuisine! Il faudra 55 g de sucre en morceaux, 2 feuilles de gélatine, un récipient d'eau froide, 50 g de jus de citron, 300 g de yaourt à la grecque 0% matière grasse et 3 blancs d'œufs. Dans le bol, je mets le sucre, je mixe 5 secondes vitesse 10 et je réserve. Je fais ramollir les feuilles de gélatine dans le récipient d'eau froide. Dans le bol, je verse le jus de citron et chauffe 2 minutes, 90 degrés, vitesse mijotage. J'essore la gélatine et l'ajoute dans le bol. Je laisse dissoudre quelques instants. J'ajoute le yaourt et la moitié du sucre glace réservé et je programme 5 secondes vitesse 4, puis je réserve la préparation. Dans le bol propre et bien sec, j'insère le fouet et verse les blancs d'œufs. Je bats 1 minute 50, vitesse 3. 5 secondes avant la fin, j'ajoute l'autre moitié du sucre glace. Je mélange les deux préparations. Je répartis dans des ramequins et ça part au frais minimum 3 heures. Génial, c'est comme un nuage. Un joli câlin pour les papilles. Et nous sommes qu'à 16 kcal par portion. Nous avons parfumé ces mousses avec du citron, mais il peut être remplacé avec de l'orange, des épices, de l'extrait d'amande amère ou de vanille. Plein de possibilités encore. Nous avons passé un super moment avec vous et en attendant la prochaine recette, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et jouez avec nous pour gagner nos fiches recettes. Les liens en barre d'infos. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo.